Salut tout le monde, c'est LexorHD, comment ça va? Moi ça va plutôt bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mon ordinateur. Donc pas pour un jeu vidéo etc, ni pour vous présenter les couleurs sur GTA V, mais pour revenir à un an, voire presque 2 ans en arrière, c'est-à-dire à mes premières vidéos, il y a mon premier commentaire, mon premier sujet, mes premiers montages. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui me demandent, enfin, pas qui me demandent, mais qui me disent quelles sont tes premières vidéos, est-ce que tu en as effacé, est-ce que il y en a un non répertorié, etc. Donc, non, il n'y a aucune vidéo non répertoriée, sauf les présentations de mes serveurs, vu que mes serveurs n'existent pas, je les ai mis à un non répertorié. Donc, ouais, il n'y a que ça, c'est tout. Donc, voilà. Et en plus de ça, je vous fais cette vidéo parce que à mes premières vidéos, que ce soit montage, premier sujet, commentaire, etc., c'était un désastre. Donc avant de commencer, bien sûr, j'ai regardé des tutos, la qualité pour voir ce qu'il fallait comme matériel, etc. Donc voilà. Donc vous allez voir par vous-même que c'était un méga désastre. Donc voilà, c'était le début. Donc franchement. Il n'y a pas à dire. Sans me jeter des fleurs, je me suis carrément amélioré. Hein. Que ce soit commentary, etc. Donc voilà. C'est pour ça que je vais vous montrer déjà la première vidéo. Qui est un montage sur GTA V. Donc comme vous le voyez ici en bas. Bah ouais. J'ai commencé le 15 mars 2014, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà. Ma première vidéo était sur GTA V, donc je sais pas si vous connaissez votre caprod, etc. Sur ses challenges, donc il avait une team qui s'appelait Boa, donc je sais pas s'il a encore, mais en tout cas, son challenge c'était le challenge by Boa, poser un titan et ouais, sur la plus haute tour de GTA V. Donc il y avait plusieurs essais, c'est normal, je suis pas un surhomme, je suis pas le plus fort, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs essais, je l'ai pas réussi du premier coup, ça c'est mort. Donc voilà, donc on va aller voir ensemble. Je sais pas. Oula, le son est un peu fort. Voilà. Donc on va aller voir. Donc ça c'était ma première intro. Un peu. Voilà quoi. Bref. Donc voilà, donc là c'était. Donc la qualité, tu vois, elle était pas top top, tu vois. Bah, j'avais mon premier Elgato Game Capture HD. Donc c'est un boîtier d'acquisition qui te permet de filmer en HD. Donc voilà. Donc là on va avancer un peu parce que c'est un peu long le début. Donc là, attendez. Voilà, donc là je me suis crash. Enfin voilà. Comme un con. Hein, puis voilà. Hein. Après il y a le deuxième essai. Alors on va arriver au bout. Voilà. Donc fallait avoir un bon timing entre s'arrêter et la tour. Donc c'était pas si facile que ça. Donc là c'était pareil, je me suis crash. Même pas assis. Là je me suis crash. Donc voilà. C'était chaud. Mais même moi, je vous rassure que je me suis énervé. C'était. Waouh. Voilà quoi. Donc là, c'était beaucoup mieux. Et je pense que j'ai réussi à ce moment-là. Franchement, ça fait du bien de revoir quand même ces premières vidéos. Ça fait vraiment du bien. Ouais. Et voilà, là j'ai réussi. Et puis voilà quoi. Donc quand même, la vidéo a fait 9 likes, un dislike. Bon, il y a toujours des haters, comme on dit en anglais. 270 vues, donc ça c'était le premier, la première vidéo. J'en ai pas effacé avant, mais ça c'est franchement c'était ma toute première vidéo. Donc voilà, après celle qui a fonctionné ensuite, puisque j'avais fait un autre challenge by Poa, je faisais que ça, que les montages, je faisais pas de commentaires parce que j'étais vraiment pas à l'aise. Donc voilà, donc là c'était le drifting, donc je vais carrément passer vite fait, je vais vous montrer quelques scènes. Mais je vais quand même passer parce que c'est vraiment très long et très chiant. Surtout au niveau du drifting. C'est toujours la même chose. Donc c'est pour ça que je vais passer. Etc. Moi j'ai eu 31 dislikes, 71 likes et 2604 vues.
sur ma deuxième vidéo. Je crois que c'était le 16. Je crois que c'est marqué, ouais, le 16 mars. Donc un jour après, j'avais fait une autre vidéo Challenge by Poa. Bon, c'était des montages, il n'y avait pas beaucoup de séquences à retirer. Enfin voilà. Donc voilà, c'était plutôt facile de faire une vidéo à peu près tous les jours, tous les deux jours. Donc on va aller voir ça. Ah oui. Ah non. Attendez. Ah non, j'ai cru que j'avais plus de musique. Bon, il y a des drifts où j'ai fail. Donc voilà, donc franchement ça va être un peu chiant, donc c'est pour ça que j'avance un peu. Je sais plus c'est quoi comme musique, je me rappelle même plus tard. Par contre, si le son de la vidéo que je vous passe sur mes chaînes, enfin le Challenge by Poa, etc. N'hésitez pas à aller les voir, c'est mes premières vidéos, donc n'hésitez pas. Et puis voilà. J'ai pas testé avant s'il y avait le son de mes vidéos que je passais. Donc voilà. Ah, c'était trop marrant. Franchement, je me suis quand même régalé. C'était bien. Donc voilà, donc ça c'était la fin, je crois. Mais moi je me rappelle même plus quoi. Ouais, je pense que c'était la fin. Voilà, voilà. Donc on va pas faire toutes les vidéos. Je vous montre juste mes premiers montages, mes premières vidéos que j'ai fait, etc. Donc voilà. Atterrir à l'envers. Donc ça aussi c'était chaud, mais je vais pas vous le montrer parce que c'est vraiment chiant. Donc voilà. Ah oui. Donc sur celle-là, c'est le Challenge by Poa, mettre un jet ski dans un skate park. Il y a un moment, je crois que c'est le début, j'ai commenté. Franchement, vous allez rien comprendre parce que j'ai parlé tellement vite que je savais même pas quoi dire après. Tu vois. Donc voilà. Donc je vais vous montrer quand même. Voilà, même là, vous entendez pas du tout. Là, je vais monter. Ah putain. Wow, je revois le commentaire que j'avais au tout début. J'étais vraiment pas à l'aise. C'est hallucinant. Donc oui, comme vous pouvez le savoir, enfin, à ce moment-là, j'étais sur console, donc sur PS3, je crois. Donc voilà. Donc ça, c'était ce qui est du montage. Après, il y a le commentary. Mon premier véritable commentary. Je crois que c'était celui-là. Bon, après, je vous cache pas qu'il y a des vidéos que j'ai supprimées. Je crois que c'était des let's play sur BioShock Infinite, je crois. Donc voilà, vu que ça n'a pas tellement fait de vues, etc. Enfin, voilà, j'ai effacé. Il y a même des vidéos que je vais effacer. Ouais, sur Watch Dogs. Donc voilà, le début, ça fait pas énormément de vues. Donc voilà. Donc ça, c'est rien, quoi. Donc, je vais vous montrer la présentation de moi et de l'avenir de ma chaîne que j'avais fait le 23 mars 2014. Donc je crois que c'était mon premier commentary si je ne me trompe pas. Donc après le compteur, voilà, voilà. Je vous laisse écouter hein. Pour une présentation donc je vais vous présenter. Après je vous parlerai de mes projets pour la chaîne. Alors je m'appelle Kevin, j'ai 20 ans et j'habite en Bretagne. J'adore les jeux vidéo, c'est ma passion depuis que j'ai. Même le son de la vidéo est plus forte que ma voix, ça je m'en rappelle. Comme vous avez peut-être pu le voir, enfin l'entendre plutôt, je parle comme si je lisais quelque chose. Oui, parce qu'à ce moment-là, vu que je n'étais pas à l'aise, vu que je ne savais pas trop quoi dire, bah, j'écris sur un papier. Donc là, voilà, j'écris sur un papier ce que je voulais dire. Et donc je lisais, voilà, sans... voilà quoi. C'est comme ça. Enfin, maintenant, j'ai plus besoin de papier parce que ça va, je suis quand même à l'aise. Je suis plus trop, comment dire, timide. Donc voilà quoi. Donc, je vous laisse encore écouter. C'est hallucinant. Hey. Ouais, je... En regardant cette vidéo, en fait, quand je me suis... Quand... Ouais, quand...
quand je me suis dit dans cette vidéo, enfin de présentation, comme je le disais dans cette vidéo de présentation que j'avais fait le 23 mars 2014, j'avais dit que le Call of Duty c'était chiant. Sauf que dans la vidéo de présentation, le gameplay c'est du Call of Duty. Donc c'est, tu vois, c'était un peu bizarre, tu vois. Donc voilà. Par contre, désolé si ma voix est un peu cassée. C'est juste que j'ai fait la vidéo en 2 jours. Donc voilà. Alors, on va suivre ça. Par contre, j'ai remarqué que le son n'est pas très fort par rapport aux vidéos que je vous montre. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller voir par vous-même. Et puis, même moi j'en ai marre en fait. franchement, j'étais vraiment pas à l'aise. En plus, j'ai écrit sur un papier ce que je voulais dire. Et c'était un peu chiant à écouter en fait. Même moi j'en ai marre, donc voilà. Je monte un peu le son, comme ça moi vous attendrez un tout petit peu, un minimum. Car je vais vous parler aussi des dislikes et des critiques que les gens peuvent apporter à vos vidéos. Déjà, je sais que j'articulais très très mal au début. Donc voilà. C'est tout. Donc tout d'abord, je vais présenter un peu le jeu. Donc je suis sur The Last of Us en survivant. Qui réalise pas ça en fait. Que ça donne beaucoup de travail. Je n'allais jamais répondre aussi aux critiques comme il y a beaucoup de gens aussi qui dislike vos vidéos sans poser de commentaires. Donc ça, je trouve que d'avoir cette attitude là, c'est un peu immature. Parce que les dislikes, c'est pas. Donc là, je suis sur The Last of Us. Non, je l'ai déjà dit. Bref. Il faudra même à avancer dans mes vidéos. Avoir au moins une critique construite. Quand vous le verrez, je vais pas tout vous montrer. Mais quand vous verrez en fait la vidéo, franchement, vous allez voir à un moment donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de blanc. Donc voilà. Après. C'est normal, c'était mon premier, on va dire, sujet de vidéo. Et donc c'était un désastre. C'était vraiment le pire des pires. Hein. On peut pas faire pire, ça c'est sûr, sûr et certain. Donc on va passer, parce que ça va être un peu cher, je vais pas vous tout vous montrer. Ouais, c'est un peu fort là, voilà. Oula. Je joue principalement à la PlayStation 3. Je voulais aussi remercier Bodyguard Game Online pour avoir fait un concept qui s'appelle à la découverte des petits youtubeurs de talent. Je trouve ton contenu génial et ne change pas, t'es vraiment super. J'espère vraiment. Le petit fanboy t'es. J'étais avant. Non, être pris dans ton prochain épisode. Ouais, je croyais que c'était celle-là. Ouais. Je suis même passé à la Guilty Jack FR, donc ça m'a fait super plaisir. Donc c'était vraiment cool. Ouais, c'était cette vidéo. Donc là, pour info, je sais pas si vous pouvez le savoir, mais pour info, je lisais, mais je faisais quand même un effort de pas faire voir comme quoi je lisais, tu vois. Donc voilà. Vous allez le voir. Mais n'abusez pas trop de ce wildrush car sinon beaucoup de joueurs vont vous signaler des triches et vous serez donc banni. Et je ne pense pas que vous aimeriez être banni, donc je vais faire plusieurs essais. Merci à eux, c'est mon upload. Et bien sûr, j'ai été upload sur leur chaîne. Tu peux liker, la partager, ça me fait super plaisir et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Donc moi je vous dis bon game, bon visionnage et ciao tout le monde. Ouais. Et j'ai vraiment été upload sur leur chaîne. Vous marquez, si vous allez sur la Guilty FR, vous marquez, je sais pas, dans la barre de recherche, ElixirHD, et vous allez voir que j'y suis. Donc voilà. Donc c'était la seule chaîne communautaire où j'ai été upload. Enfin, la plus. Ouais, la chaîne la communautaire la plus grosse où j'ai été upload. Donc voilà, ça me faisait vraiment plaisir. Et puis voilà quoi, je l'ai même dit sur Facebook quoi, tellement que j'étais heureux tu vois. Et donc voilà. C'était cool. Allez, deuxième page. Alors, ah oui, à ce moment là, je faisais des lives. Donc des lives sur Twitch.
J'ai dû arrêter parce qu'en fait ma connexion ne me le permet pas, ne me le permettait pas, pardon, voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Quand je faisais des lives, en fait, j'étais pas sur ma connexion, mais j'étais en 4G. Faut savoir que là où j'habitais avant, ma 4G était beaucoup plus forte que ma box. Donc voilà quoi. Je crois qu'avec ma box, j'étais à 1 méga et quelques. Par contre, en 4G, j'étais à peu près 6, 7, voire 8 maxi, maximum de méga bits par seconde. Enfin, méga octets, je crois. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je faisais de live en fait avec ma 4G. C'était quand même marrant, j'étais en live, Ah tout le ouais, monde je sais ce que je vais faire. rigolait, etc. Je vais essayer de... En fait, je vais vous spoil un peu, mais ma technique en fait c'était de les entretuer, tu vois. Et ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à temps que le roi m'a battu. Donc voilà. De les faire frapper mais entre eux, tu vois. Ça pourrait peut-être marcher. T'as vu? Ah, il se frappe. Hein. Tapez-vous entre vous en fait. Oh. Oh, t'es t'as vu? Oh C'était marrant. putain. Pour moi, j'arrivais pas du tout à les frapper. C'était pas. Là, je suis en... Je tue le roi, ce serait parfait. Et non, je l'avais pas tué, je pense. Ah oui, j'avais mis une musique et tout épique et tout. J'étais dans l'ambiance direct. Ah Voilà. putain, enfoiré. Et voilà. Non, franchement, c'était grave amusant. Et la première page, là c'est un peu plus récent. Et vous allez voir quand même la différence. En tout cas, pour ceux qui attendent la série, je vous ai sur YouTube. Je ne pense pas, mais pas du tout, refaire la série. Donc voilà. Ça m'a apporté en fait des abonnés inactifs. De toute façon, YouTube s'en est chargé, je pense. Parce que comme vous le savez, YouTube a enlevé des abonnés. Et cela, c'est en fait des comptes inactifs depuis quelques temps. Depuis un certain temps, et puis ça a été automatique. Donc voilà. Il n'y a pas que moi qui a perdu des abonnés. Non, normalement, j'étais à 2800. Bon, je suis à 2800. Mais avant, on m'a enlevé, je crois, 40 abonnés ou un truc comme ça. Bon, 60, je crois. Parce que j'étais à 7. Ouais, 2740 et quelques. Donc voilà. Donc là, je suis à 2801 plus précisément. Donc voilà. Il y en a beaucoup aussi qui aiment les Gmod Horror Map. Donc voilà quoi, c'est tout. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à partager, à abonner-vous si ce n'est pas encore fait. Donc moi je vous dis bon game et ciao tout le monde. Comme je le dis souvent. Donc voilà, donc on va passer à la seconde couleur. Alors, bon là on laisse. Comme ça sera. Ça...